Make sure you get good solid contact. They oh, gave it everything ahead. Came out barreling right. What a show! Whoa. He pulled it off. Just off the hole. This is for the win. Never a doubt. All the way. France has the first. Voilà, j'ai pas les mots, je perds un peu pied là pour l'instant. J'ai encore l'impression qu'il va y avoir un dernier tour demain. Euh, c'est beaucoup d'émotions qu'il a fallu encore gérer, je pense que c'est la clé euh, à ce jeu gérer ses émotions. Puis voilà, c'est ce que j'ai très bien fait euh, aujourd'hui. Euh... Puis voilà, le, le, le jeu a été vraiment solide toute la semaine, donc j'ai pu m'appuyer dessus avec beaucoup de confiance et puis, euh, et puis voilà, je suis très fier de ce que j'ai euh, ce que j'ai pu accomplir euh, aujourd'hui et puis surtout les, les 15 derniers jours. Quel plaisir ça a été ce week-end de suivre Mathieu Pavon et son résultat extraordinaire sur les terres de, du golf par excellence, le PGA Tour. Assez ah, pas rien, après une belle année 2023 avec Céline Boutier chez les femmes. Maintenant, voilà, chez les hommes aussi, on, on trouve une confiance suffisante pour ne pas faire de complexe d'infériorité et au contraire être dans la performance et donc par essence dans des résultats magnifiques. Donc bravo à Mathieu Pavon, on ne se connaît pas mais on ne sait jamais si par le plus grand des hasards il voit cette vidéo ou quelqu'un de son entourage. Je le félicite vraiment euh, sincèrement parce que euh, ça a été vraiment un très très bon moment à passer euh, indirectement à ses côtés. L'ascenseur émotionnel euh, bien puissant, ce coup euh, extraordinaire de la fin. Soumis aussi euh, au facteur chance, mais la chance, elle sourit aux audacieux et aux gens qui sont en confiance et qui savent merci, alors, mais merci, monsieur Pavon, qui savent gérer les émotions. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mathieu Pavon lui-même, dans cette fameuse conférence que vous avez pu voir en extrait. Il qualifie ça de la clé. La clé. Alors, lui, il peut se permettre de faire effet en tonnoir parce qu'il a un bagage technique euh, non négligeable, ben, un très bon matériel. Mais, mais j'ai eu l'impression de ne plus prêcher seul dans le désert. Voilà, Ça m'a vraiment, vraiment plu ce discours de... et cet accent mis sur... Parce qu'il se passe, comme l'a dit aussi Bobby Jones il y a déjà quelques années, un autre joueur... Euh, de jeu de lancer dans le monde du tennis Djokovic, Novak, en précisant qu'il y a beaucoup de choses à un moment qui se passent entre les 25 cm qui séparent nos deux oreilles. Moyenne. Hein. Euh, parce qu'après, il y en a que c'est plus, mais c'est peut-être dû au fait qu'on a une grosse tête après, je sais pas, c'est une blague, hein, mais il fallait que je la fasse, hein, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Non, mais c'est important de parler de cela. Euh, J'avais vraiment envie de faire ce petit clin d'œil aujourd'hui, après avoir digéré... Euh, eh bien, tout ce qu'on a pu vivre ce week-end sur, euh, sur ça. Et puis ce, ce discours, moi, qui m'a... Voilà, je le dis encore, hein, qui m'a ravi. Euh, parce qu'effectivement, dans le monde amateur, je suis en train de faire une enquête sur euh, qu'est-ce qui vous dérange dans votre performance après un parcours, qu'il soit d'entraînement ou de compétition. Et euh, je suis déjà à 50 retours sur euh, un panel de 200. Et les 50 premiers retours, et c'est pour ça en même temps que j'en profite, parce que là, tout à l'heure, je regardais, je dis, ah ouais, quand même, il y a plus de 50% des gens qui ne veulent pas d'aide à la performance, donc de la préparation mentale, ou n'ont pas vraiment envie de s'intéresser à ça, et de euh, euh, comment euh, s'investir. Par contre, ils veulent à 100% euh, reconnaître que la seule chose qui compte, c'est la technique. Ah bah oui, ok, pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire sans prétention que quand vous aurez plus ou moins une bonne technique, c'est pas gagné d'être dans la performance. Et puis ce n'est pas forcément même gagné de progresser assez rapidement dans la technique. Parce que si je ne sais pas gérer plus ou moins correctement mes émotions, l'apprentissage, il va durer un sacré paquet de temps. Alors c'est vrai que le monde du golf n'aide pas en cela. Pourquoi parce qu'on veut effectivement, pour des raisons X ou Y, qu'elles soient financières et tout ce que vous voulez, très axer les choses sur la partie technique et la partie commerciale, donc matérielle. Mais ça n'est pas suffisant. Il euh, y a de la complémentarité, surtout au niveau amateur, dans un premier temps. J'aime prendre cet exemple. Il n'y a pas très longtemps, en observant une élève, une personne d'un certain âge, avec un pro de golf, et au final, les deux finissaient par s'agacer l'un envers l'autre parce que l'autre n'arrivait pas à ancrer l'apprentissage et un peu d'agacement de la part de l'enseignant qui finissait par euh, ouais euh, s'exciter sur le fait que la personne euh, râlait plus qu'elle ne mettait en pratique les conseils qu'il pouvait lui donner. Donc les deux étaient dans une émotion et finalement, eh bien c'est pas euh, voilà. Euh, Terminé sur une sérénité. Donc, euh, vous voyez, la gestion des émotions, elle est indispensable. Parce qu'effectivement, si par peur, pour des raisons encore une fois multiples et variées, je gère pas cette, cette émotion-là, bah forcément, je vais être hermétique à beaucoup de choses. Je vais me renfermer dans les certitudes que le golf, c'est dur, je suis nul, que j'ai passé l'âge, tout ce que vous voulez euh, comme argument. Et puis, bah, le, le pro qui, effectivement, a l'impression peut-être qu'il perd son temps au final et puis j'en sais rien moi tout ce qui peut passer dans cette je suis pas dans la tête d'un enseignant mais forcément il va aussi avoir une émotion en retour puisqu'il est en interaction avec son enseignant et avec son élève pardon en tant qu'enseignant et voilà on n'est pas dans le cercle virtueux. donc vous voyez la gestion des émotions on y revient quoi donc la, la, fa... la fonction mentale on y revient et euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, cette fable de, de... du vacher et euh, du garde-chasse euh, vous pourrez fouiller, aller la lire. Hein. Je crois que c'est Jean-Pierre euh, Clarisse de quelque chose. J'ai oublié le reste euh, qui a écrit cette fable. Mais la moralité de son histoire, c'est euh, chacun son métier les vaches seront bien gardées. Vous connaissez ça certainement. Et c'est pas faux. Il euh, y a des gens qui passent des années sur les bancs de l'école pour devenir de bons pédagogues euh, en enseignement golfique et en transmission de la compétence de golf. Donc, à juste titre, ils sont bien placés pour nous enseigner, nous faire progresser concernant le bagage technique. Puis il y a des gens qui passent des années sur les bancs de l'université, de l'école, euh, en formation de neurosciences, de psychologie du sport, euh, voilà, même en nutrition, plein de choses comme ça, pour aider à la performance autre que la partie technique, parce qu'elle n'est pas suffisante. Donc, chacun... Trop de spécialité peut tuer la spécialité. J'ai pas de problème avec ça. Euh, mais à un moment, ben, quand on a passé beaucoup de temps et qu'on est passionné par la transmission dans chaque corps de métier, ben forcément aller voir le spécialiste, ça peut être aussi quand même intéressant. Voilà. Donc, grâce à ce magnifique discours de Mathieu Pavon, eh bien j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous suivre chez Clean Bolso. Euh, tout repose aussi sur le plaisir du jeu, le bien-être du jeu et la performance. Et cette semaine, euh, ce week-end particulièrement, je discutais avec une spécialiste en nutrition euh, rattachée au monde du golf. Elle me disait La problématique avec le golfeur amateur, euh, c'est que certains sont dans la quête de la performance et d'autres euh, non. Et là, ça m'a interpellé. Mais en fait, tout le monde est dans la quête, en tout cas, je pense, de la quête de la performance, c'est-à-dire prise de conscience qu'il y a des choses qu'on peut améliorer ou dont on pourrait profiter d'une autre façon. Donc, le bien-être, bien sûr qu'on confond trop souvent avec le résultat, il y en a qui se fichent royalement d'être X d'index. Et why not Très bien, pourquoi pas D'ailleurs, effectivement, ils n'ont pas forcément non plus tort. Hein. Moi, je connais des gens qui ne font aucune compétition, donc qui ne baissent pas leur index, mais qui jouent euh, magnifiquement bien au golf. Donc, avec Dimon... Vous voyez, on sait déjà faire le distinguo avec la quête absolue du résultat qui ne veut rien dire et pour, les, pour laquelle parfois malheureusement on dépense énormément d'énergie. Donc on peut aussi performer pour être euh, toujours dans la sérénité qui euh, à partir du moment où on se met en colère et que ce soit au golf, au travail, euh, avec ses amis, sa famille, euh, dans, un, dans, dans un moment de, de plaisir à la base prévu et pète un plomb. Il ben, n'est pas dans la performance. En tout cas, il y aura une frustration quelque part. Donc, vous voyez, on, là, on, on, on se décroche du résultat et d'un index, par exemple. Donc, apprendre ce qu'est euh, la préparation mentale, la performance, pour être euh, plus serein, ben, c'est quand même euh, non négligeable. Donc, voilà, c'est de la connaissance des choses que l'on peut forcément mieux pratiquer. C'est vrai que on apprend beaucoup et très vite à l'école à se servir de nos méninges, mais avant de s'en servir, on n'a pas passé beaucoup de temps à savoir comment notre cerveau fonctionne. Est-ce que vous savez qu'on a quatre gouvernances Que dans ces gouvernances, c'est comme des, des pilotes de, ou des chauffeurs d'un de, bus, par exemple, dans lequel il y aurait ces différents passagers, puis on en a un de temps en temps qui prend le pilotage, mais dans son excès, il commence à nous faire faire n'importe quoi. Donc, euh, quel moyen j'ai euh, pour le coup euh, très rationnel, très factuel pour changer le pilote Voilà. Et dire à l'autre bah, écoute, là, es énervé, tu vas repasser derrière et on va en mettre un autre. Voilà. Donc, tout ça, euh, ben, si on ne le sait pas, on ne peut pas le faire. Donc, euh, je sais bien aussi que la connaissance ne suffira pas. Il faut aussi passer au deuxième pilier de la performance, la mise en action. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Euh, N'hésitez pas à nous faire euh, part de vos remarques. J'ai tenté sans performance de résultats, euh, à lancer des webinaires euh, l'année dernière dans le dernier trimestre. J'ai pas dû choisir le bon horaire, j'ai peut-être pas choisi euh, le bon jour. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi. Quel serait le jour, l'heure qui euh, vous serait euh, accessible pour profiter d'échanges comme ça sur la préparation mentale, la gestion donc des émotions. Tout ce qui va bien autour de la performance, euh, d'être bien avec soi pour être serein et donc performant. Eh bien, faites-le-moi savoir, voilà. Et je changerai ce qui est à changer pour que nous puissions partager ces moments agréables de connaissance de soi et de performance en tant que sportif, même amateur. Sur ce et d'ici là, portez-vous bien. Prenez beaucoup de plaisir sur vos parcours de golf et je vous dis à très très vite. Ciao ciao